Loïc, ouais. Victoire précieuse qui vous fait remonter un peu sur le podium. Comment tu vas résumer ce match 1-0 contre Bergerac? C'était un match assez serré, on est tombé sur une belle équipe de Bergerac. S'ils sont premiers, ouais, c'est pas pour rien, ils ont un beau collectif. Il y avait des occasions des deux côtés et c'est vrai qu'on a cette délivrance à la dernière seconde. Donc c'est vrai que quand ça tourne comme ça, c'est des moments forts. Voilà, en plus c'est Couli qui met ce but. Il a eu des super entrées et ça prouve que le groupe est fort. Et voilà, un remplaçant qui rentre, qui marque, c'est toujours des images assez fortes pour tout le groupe. Donc on est tous contents et on est fiers aussi pour lui. Contrairement à la première mi-temps, en deuxième, on a vu que vous avez diminué l'intensité. Comment ça se fait? Je pense que les équipes, elles avaient chacun leur période. On a eu des coups de moins bien, on a réussi à faire le dos rond, à ne pas prendre de but. C'était important ce soir de ne pas prendre de but face à une équipe comme ça. On sait qu'ils sont très forts, ils combinent bien offensivement, ils ont une bonne solidité aussi défensive, donc il ne fallait pas prendre ce premier but. Et bon, c'est vrai qu'on marquait à la dernière seconde, on aurait aimé marquer un peu avant. On a eu aussi deux occasions juste avant. Eux aussi en ont eu, donc ça a tourné de notre côté. Et voilà, il faut prendre les choses quand elles arrivent comme ça, il faut les prendre. Et les trois points, ils sont vraiment les bienvenus. Tu as cette occasion, toi. Tu attends un collègue. Il y avait moyen de la tenter ou pas? Ouais, c'est vrai qu'il y avait moyen. Il y a Alex qui m'appelle. C'est vrai que je joue pas bien le coup. Voilà, j'aurais dû faire mieux sur cette occasion. Moi, je le vois pas. Il y avait ce soleil un peu rasant, je le vois pas, donc je la mets un peu à l'aveugle. Et c'est comme ça, c'est un fait de match. Et la joie sur le but, ouais, ça a réveillé tout le stade. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Il n'y a que le football pour se procurer des émotions comme ça. On voit qu'on était tous ensemble. Il y avait tout le banc, que ce soit le joueur, staff. C'est des moments forts, on se retrouve tous par terre. C'est vrai que voilà, on ne sait plus trop ce qu'on fait quand c'est dans des moments comme ça, surtout à la dernière seconde. Voilà, pourtant, on n'est pas une équipe qui fête ses buts comme ça normalement, mais là, c'est vrai que dans un gros match comme ça, et avec Rossi, un dénouement comme ça à la dernière seconde, c'est vraiment une belle fin de match pour nous. La montée, elle est possible encore? Elle est encore? Tu me disais pas ça il y a trois semaines. Non, je te... Non, nous, comme je t'ai dit, on y croit, comme je t'ai dit, il y a trois semaines. Là, on n'a rien fait ce soir. Hein. C'est toujours Bergerac qui est premier après le match de ce soir. Donc nous, on essaye de faire le maximum pour jouer justement cet objectif jusqu'à la fin de saison. On sait que ça va être dur. Et voilà, il y a de belles équipes et il faudra enchaîner les matchs. Et déjà dès samedi prochain à Angers, ça ne va pas être facile sur Synthétique. Ça va nous changer un petit peu. Donc voilà. Merci. Merci.